Bah vu que tu... Oui, oui. Ah mais... Non. T'es nul. Ouais. Ok. J'ai jamais eu ce nom, ce nom. De quoi, le... Le Robocop? Ouais. Ah, il est jeune. Voilà, tu peux le transformer en poulet avec ton arme. Oui. Le Romulus et Rémus, ils sont où? Tu peux me ramener du raisin, s'il te plaît? Et tu me nourris. Le petit. Ouais, tu le démontres ici là. Le petit. Oui, la petite. On va bien voir. Comment ça va le toucher? Je suis pas habitué hein, encore à ce. J'ai pas d'actif. J'ai. Bon, de toute façon, la reine était rentable. De toute façon, la reine était déjà rentable. Après. Heureux. Bien fait. Ouais. Oh, ça lui fait rien. Génial. Ah, c'est compliqué sur la fin. La fin de quoi? Une autre arme, ouais, je suis reparti sur... J'ai pas pu voir parce que du coup j'étais dans la cuisine et déjà que c'était haché, c'était encore plus haché parce que j'ai pas trop d'autres. Je vois une image toutes les 20 secondes à peu près. Ouais, j'ai vu que t'étais sur le monde 10 et que là c'est reparti sur... Oui, il m'a saoulé le dernier, enfin le dernier que j'étais, il m'a gavé. J'ai pas trop. Le Ice. The Ultimate Taste. Ouais, le début là ça m'a saoulé. Là. C'est passé haut. Wouah putain. Oui, je comprends. Et tu l'avais pas fait ça encore? Putain, Je pense que c'est le niveau où j'ai le plus appris le timing de... Enfin tu vois, le... vraiment le putain, micro mais j'ai timing plus d'un... du saut là. Il faut ouais, que tu... Après qu'on passe le début, bah t'es obligé d'avoir un timing parfait. Oui, t'es obligé de réussir le micro saut à la fin là. La fin de la pompe. La poutre apparemment ça marche. Ah par contre je me souviens. Comment je sautais. Ouais, t'as un problème d'arme. Mais je crois que je faisais pas un saut après la. Après la courbe. Bah ouais. Bah allez, t'es prêt. Ouais. Bien sûr que tu viens de faire. Ah on peut peut-être passer comme ça, ouais. Je crois que je faisais qu'un glissade. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le. Enfin, mode brut, c'est le moment où tu apprends à. Enfin, tu te rends compte qu'un dixième de seconde, enfin, une frame avant, ça marche pas, une frame après, ça marche pas. C'est là où tu comprends comment tu dois. Ça va être long. Mais là, normalement, je sais que tu fais ça en fait. Je viens. Ah ouais, ouais, ça passait, ouais. Mais bon, la face s'accélère pas aussi, donc normalement. Ouais mais ça fait tu prends un point de dégâts. De quoi tu prends un point de dégâts? Bah si tu te fais toucher, c'est un cœur. Après je sais pas comment il se passe normalement, hein. Il faudrait regarder peut-être les vidéos des gens qui le font plutôt bien. Mais... Ah. Je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut tomber pile dans le début de la courbe. Ah, je pense que tu n'auras pas besoin d'une de plus après celle-là. Ok, 5,42. Là, je me souviens plus. Ah, non, moi, je vais faire ça.
Alors est-ce qu'il faut glitcher Smith au moins? En fait quand j'ai commencé tout à l'heure j'ai passé 4 fois de suite sans aucun souci. Je me suis loupé après. Ah ouais? Et puis après bah, j'ai pu repasser. Et du coup tu ramènes. Ah moi j'ai passé genre 20 minutes. Il est où le truc? Non, j'ai réussi du premier coup et après j'ai fait de la merde à la fin quand il faut monter tout à la fin. Merci. Ah oui, faut que tu pètes ouais, le parce qu'il faut la vitesse d'avant. Ok. Putain, je ramène les 4 objets en une run quoi. Ah, trop bon. Ah oui, il me reste la section 1 à 2. Ouais, pourquoi t'es fort? Tu vois, je suis perdu de ma vitesse. Tu vois, des fois, je saute pas assez haut et ça m'énerve. Tu vois, là, je comprends pas pourquoi il saute pas assez haut. T'avoue que je me souviens plus. Comment tu. La balle alpha. Oui. Balle oméga. Oui. Comment ça va, Tifa? Et puis il y a tellement de. En fait, le design derrière, il est tellement pourri que j'arrive pas à avoir de repère. On se propre tout ça. La pierre visuelle avec. Tu peux accéder à la Q6 tout de suite ou pas? Non. Ah, j'avoue que je suis pas mécontent qu'ils aient pas mis ce niveau-là dans le speedrun. J'aurais pu économiser un saut là-dessus. J'avoue. Ah, mais c'est. Parce qu'il me semble que c'est dans ce truc-là où tu accèdes en fait. Oui, mais c'est encore loin. Faut finir avec tous les persos déjà. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut finir avec tous les persos avant. Ah, non, c'est pas ça. Deux fois avec toi-même. Ah, j'ai eu de la chatte tout à l'heure, mais pas vu que. Putain, le saut là, con, hein, j'ai pas cette vitesse du tout. Je m'en suis pas skippé une pute, je pense. Tu l'as skippé aussi, je me suis pas arrêté là aussi. Je crois que j'ai pas de médaille sur celui-là, il me semble. Pas de temps du tout. Je sais pas si je l'ai fini celui-là ou pas. J'ai juste eu le temps de la du stream, je vous reviendrai après. A tout. A tout. A tout. Enfin, je trouve ça un peu con en fait que t'es obligé d'être vraiment hyper bordel au millimètre quoi pour. Bon, après ça sent vraiment le truc du. Ben, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'est le truc que j'ai écouté. À la base ça c'est du coup c'est le niveau 10-4, je crois. Ouais. Et c'est censé être le niveau de fin. Et du coup ils ont rajouté un niveau. Encore pire après. Mais je pense que c'était un peu l'idée, c'est t'es censé faire les 9 et à partir du 10 ça devient quelque chose de. C'est vraiment hardcore. Ouais. Il y a vraiment un gap. Hein, entre, tous les autres mondes ils se suivent plus ou moins. Et entre le 9 et le 10 il y a un vrai gap. Si les maps ninja façon trial, c'est ça. Mais du coup, j'ai tout entendu que à la base c'est censé être celui-là le dernier. Et vu que les mecs y arrivaient, ils en ont rajouté un cinquième encore plus bien. Ils ont mis un spécial derrière. Mais le spécial, c'est. Spécial, j'ai fait la. J'ai fait la première. Non. Qu'est-ce qu'il a réussi? Ah. Je vais regarder par curiosité si c'est. Ouais, du coup, sur. Là, tu j'ai un temps dessus. Ok. Ouais. Désolé, je t'accapare un peu. Je peux voir. Je me souviens même pas de ce que j'ai fait. Ah bah attends, si tu veux, je suis sûr. J'avais lancé Fiat pour voir, moi. Je t'avoue que. Je suis pas sûr d'avoir fini ce niveau en fait. Je me souviens d'avoir galéré au début. Et je pensais l'avoir passé, mais je me souviens plus trop de. Bah là, t'as fait le petit saut. Hein. T'as fait le petit saut en sortie. Hein. Ah mais tu te là tu restes avec le okay, là t'es et... resté complet en fait. D'accord.
Ouais, ça, je me souviens tout. Après, t'as vraiment pas le droit à l'erreur quand chaque saut, si tu le fais. Quand t'as voilà. Un de faire le saut ou l'inverse. Ah, merci. T'as vaincu une moustache noire en poche. Non, c'est où qu'on se casse. Ah, bah oui, normalement, tu peux le faire en. En deux coups. Okay. Oui, c'est un peu dur le petit. C'est pour ça que t'as mis une minute, parce que normalement, Ekfern a mis 30 et quelques secondes. Ouais, bah tu fais un aller-retour et tu peux arriver directement sur la plateforme, là où je galère. T'as pas parlé au tavernier, il avait l'air. En fait, le plus chiant, c'est le début, quoi. Quasiment. Je sais pas. Oui, oui. Oui. Clairement. Il y a 2-3 trucs à enchaîner avec. Si t'as pas pile la vitesse, ça marche pas. Et voilà. Celui de 3 personnes. Ouais, j'avoue, Tifa. Comment ça? Plus que 3 persos, ouais. Ce qui est cool, c'est que la fin de chaque perso sera différente. Yep. Ah. Oh, c'est bon. Ouais, presque. Et j'ai vu où t'as perdu un petit peu de temps. En fait, il faut vraiment prendre la courbe au début. Y'a pas de. Il fera son bon job. J'ai failli remonter, j'ai essayé. En fait, j'ai perdu de la vitesse sur le deuxième, je l'ai vu. Ouais. Ah non, d'accord. Tu peux en perdre le premier aussi de mémoire, tu peux sauter un petit peu trop loin. Mais ouais, surtout sur le deuxième, en fait, faut vraiment les. Faut prendre les deux premiers. C'est que là. J'adore cette musique. Et du coup, je sais pas si je fais un petit saut ou pas. Hein. Si, tu le fais. J'ai vu dans le replay à la sortie là. À la sortie, t'as un petit. T'as un, tu fais une petite roulade. Et c'est que là, j'en suis. J'ai mal au bras, ça me manque. Ah, je pense que c'est des niveaux pour les gens qui aiment vraiment le jeu et qui ont pas mal de jeux. Ah oui, non, c'est pas le jeu qui m'énerve, c'est mon bras en fait. J'ai mal au bras. Bah là, bizarrement, c'est un des jeux de cette idée qui me triste un peu les doigts aussi. Je sais pas si ça te le fait, mais. J'ai tendance à appuyer vraiment très très fort sur la droite. Alors que. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais. J'ai mal au pouce, quoi. Enfin, je me souviens, la première fois que j'avais joué, j'avais râlé mes pouces, j'avais des pouces tout rouges. Ça me fait cette effet. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est réactionnel? Je sais que j'en ai entendu deux autres personnes dans le sens. Ouais. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de. Enfin, pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison à pousser le bouton plus fort, quoi, mais. Ouais, bah, je pense que c'est aussi parce que t'as envie de retomber plus haut, un petit peu plus loin. Et inconsciemment, t'as envie de pousser un peu. J'ai tué tu passes. Et deuxième, c'est qui ça? Ah oui, oui, faut leur faire un peu. Merci. On m'a déboîté les doigts. Alors. C'est pour votre raison. Ah putain! Y'a plein de skips hein, finalement. Et Katash, je disais que c'est Extricate, ça lui défonce les doigts. Oui, depuis plus.